J'arrive à rien faire. Je suis découragée, je suis déboussolée. J'ai même plus envie de faire des vidéos où je suis là. Dégâts. Et je vais pas arrêter de me battre. Je vais pas abandonner, je vous assure. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Je sors de très loin pour venir abandonner maintenant. Et merci à ceux qui essaient de me soutenir depuis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Pour ceux qui maîtrisent bien cette dame, elle s'appelle Laure Moaminga, l'artiste comédienne camerounaise, tiktokeuse. Voilà. Elles font en larmes depuis quelques jours. Vous savez, je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. C'est souvent très rare de me voir faire ce genre de vidéo. Mais si je le fais, premièrement, parce que c'est une woman partie de zéro pour devenir euro, comme nous l'a les woman. Et encore, c'est une dame. Je sais ce qu'elle ressent. Il y a cela quelques jours qu'elle a perdu son compte TikTok avec plus de 400 000 abonnés. Hey! Elle est en pleurs, elle est inconsolable depuis. Donc j'ai fait cette vidéo pour lui apporter mon soutien. Et je vous supplie de vous abonner sur son compte, son nouveau compte TikTok. Vous savez, quand elle a fait le post, j'ai lu quelques commentaires sur son post. Il y a un commentaire qui dit, quand tout va bien, personne n'est au courant. Vous mangez 4 fois par jour. Mais quand ça tourne au vinaigre, vous venez pleurnicher devant nous. Ça m'a fait rire parce que les gens ne savent pas le travail qu'il y a derrière, le travail qu'on fait derrière pour faire rire les gens. Vous ne connaissez pas comment c'est très... Vous avez dit une fois, être sur les réseaux sociaux, maintenir sur les réseaux sociaux, c'est plus dur que le travail d'un bûcheron. Oui. Les gens pensent que c'est la blague. Ce n'est pas facile. Une dame comme Moaminga, à partir des pleurs que vous voyez, vous pouvez un peu comprendre ce que moi-même j'ai ressenti. Parce que j'ai perdu ma page, ma première page, la page qui a fait de moi Franco le Mignon. La page Franco le Mignon avait presque 240 000 abonnés. Quand ta page passe au rouge, avec des multiples restrictions, les gens ne faisaient que signaler ma page. Je ne sais pas la raison. C'est passé au rouge. Quand ça passe au rouge, ce n'est pas différent comme si tu perdais ta page. Voici plus de 13 mois. La page ne me sert à rien. Tu postes une vidéo, que tu mettais une vidéo, en moins de 24 heures, tu avais des 700 000 vues, 500 000 vues. Tu mets une vidéo, en une semaine, tu as 2000 vues. 3 likes. Vous comprenez un peu? C'est très dur. Vous pouvez un peu comprendre ce que moi. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle ressent. Les gens vont dire que tu as juste perdu un compte TikTok, ça te fait mal comme ça. Non. Les contrats publicitaires qu'elle avait, elle dansait pour les artistes, c'était payant. Comment elle se battue, elle se bat comme ça pendant 3 ans, un matin, c'est dans l'eau. Oui, moi je me suis battu 2 ans sans community manager, sans personne pour gérer ma page, je faisais tout seul. 2 ans, 240 000 abonnés. Les gens sont déjà désabonnés, même j'ai moins de 200 000 abonnés même déjà sur la page là maintenant. Les gens ne font que se désabonner. Je arrive partout. Les gens me trouvent partout dans la rue. Fancon, tu ne travailles plus, on te suit plus. Ça se passe comment? Et je vous rappelle, sur cette page-là, j'avais 2 entreprises. Je n'ai jamais eu cette opportunité. À la veille que mon Facebook disparaît, là, j'avais 2 entreprises. J'étais sur le point de signer 2 contrats, au moins de 3 millions chacun. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus eu les traces de ces entreprises. Je ne préfère ne pas parler des entreprises là. Tout simplement parce que ils ne me voyaient plus. Je n'étais plus actif. Vous pensez que les vidéos qu'on fait, on gagne trop quoi? Ce sont des contrats publicitaires qui donnent l'argent, les gars. Quand tu es populaire. C'est maintenant que je me relève. Donc, la même chose que je vais dire à ma soeur. Quand tu tombes, tu tapes la poussière, tu te relèves, tu recommences le boulot. C'est ça la vie des Waman, maman. Ça va aller.
Donc, j'ai repris ma page Franco TV, où vous me suivez maintenant. J'ai repris, ça fait un an. C'était en février, le 27 février 2022. Février 2023 est passé, tout récemment. Donc, ça fait un an aujourd'hui que j'ai recréé ma nouvelle page. Nous sommes à 86 000 abonnés. C'est maintenant que je remonte. J'ai espoir un jour que mes contrats que j'avais perdus, mon seul unique contrat d'un million 500 000 que je devais signer encore, un Tintin est venu ici raconter comment j'étais malhonnête et tout. L'entreprise a commencé à dire, hey, voilà encore, c'est encore tombé dans l'eau. Mais c'est la vie. Le combat continue. On ne baisse pas les bras. On continue à choquer. Tant qu'on a le souffle, tant qu'on a la santé, on continue à bosser. Et je profite ici pour tous ceux qui ont les pages Facebook, qui ont déjà plus de 10 000 abonnés. Si vous êtes des créateurs de contenu, je dis bien si vous êtes créateurs de contenu, ne postez pas les photos. Vous avez 10 000 abonnés, vous venez me perturber. Si vous avez plus de 10 000 abonnés sur votre page Facebook, vous voulez monétiser, contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. C'est mon numéro direct. Contactez-moi là. Vous passez votre page. Je monétise. Propre. Même si c'est en restriction, même si c'est passé au rouge. Nous, on a développé des stratégies. Voilà, vous comprenez? Vous me contactez juste ce numéro-là. Je vais vous dire comment ça va se passer. Et votre page va être monétisée. Je n'ai pas dit les gens qui ont les 1000 abonnés, les 2000, les 3000, 4000, 5000, 8000. J'ai dit à partir de 10 à 15 000 abonnés. Et si tu es créateur de contenu, si tu as des vidéos qui ont les vues, contactez-moi. Je monétise votre page propre. Vous comprenez? Donc, en conclusion, Laure, moi, Minga, beaucoup de courage. Et pour revenir à la vidéo d'hier que j'ai fait où les gens sont venus me dire que chaque fois quand tu as un problème, tu demandes l'aide. Parce que c'est un boss qui m'a écrit ça. Tu demandes l'aide en tête. Tu fais une vidéo pour venir dire à Mondo Vision en public que tu ne cours pas derrière les boss. Non, vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit que je me suffis. Je n'ai pas dit que j'ai tout. C'est une manière de me dire que moi, je me respecte. On ne me chiffonne pas parce qu'on a l'argent. Voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour dire que même si demain j'ai un problème, je ne vais pas dire que aidez-moi. Non. Il ne me suffit pas. Je n'ai jamais dit que j'ai. Je n'ai pas. Si j'avais, c'est qu'il ne devait plus être en train de faire les vidéos tous les jours comme je fais là. Voilà. C'est que moi, je vais seulement me coucher et manger. Je n'ai pas. Je n'ai pas encore. Peut-être j'aurai, mais je cherche encore. Je n'ai pas. Je vous dis encore. Je dis, c'est pour ça que je fais sur mes vidéos que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez. Parce que vous écoutez toujours très mal. Je n'ai jamais dit que je me suffis. Non. Voilà. Merci. Passez une très bonne journée. C'était le général Franco. Abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.